La justice est en danger. Mobilisons-nous. Justice en danger. Ils sont inquiets et bien décidés à l'exprimer. Avocats, magistrats, greffiers, ils se sont donné rendez-vous sur les marches du palais de justice pour faire savoir leur désaccord avec l'avant-projet de réforme du code de procédure pénale. Un projet qui menace, selon eux, directement l'indépendance et l'équité de la justice à travers la suppression du juge de l'instruction. Aujourd'hui, le fait de confier à un magistrat du parquet, qui est un magistrat hiérarchisé, qui obéit aux ordres du ministre, le soin de mener une enquête, ça peut permettre toutes les dérives possibles, et notamment c'est la crainte principale, d'étouffer certains dossiers sur instruction de la hiérarchie, et ça, c'est pas admissible. La création d'un juge de l'enquête et des libertés, chargé de contrôler l'investigation menée par le procureur de la République, ne satisfait pas. Le juge des enquêtes et des libertés n'interviendrait que de manière très ponctuelle, donc avec le risque de mal connaître le dossier qui lui est présenté. Le juge de l'enquête et des libertés, à mon avis, ne pourra pas, vu la masse des dossiers et le nombre de gels qui est prévu par juridiction, connaître suffisamment bien les dossiers pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. Les manifestants sont ensuite partis au palais de justice de Paris, rejoindre l'ensemble de la communauté judiciaire pour poursuivre la protestation en direction du ministère de la Justice.